25 ans, j'avais de travailler avec Jacques Michel et j'ai continué. C'est toujours un grand plaisir et très particulier d'être accueilli ici par la communauté, par tous les frères, les plus anciens comme les nouveaux. On a toujours un accueil très particulier qui est très porteur. Ce lieu est vraiment exceptionnel. Ça, il ne faut pas s'en priver si on peut venir y faire des retraites, parce que c'est qu'on soit on est la France ou qu'on n'est pas. Et donc je remercie vraiment chaleureusement tous les frères et les prieurs pour leur accueil. Je remercie aussi tous les stagiaires ici présents et ceux qui ont dû partir avant l'heure parce qu'ils reprenaient le travail pour le travail partagé, pour ces moments de travail pas toujours facile parce que c'est un enseignement à la polyphonie corse qui est exigeant si on veut préserver correctement, enfin, si on veut ne pas perdre le patrimoine et sa profondeur, sa richesse et sa qualité. Je n'ai aucune prétention à détenir une vérité là-dessus, mais en tout cas, je sais qu'il me faut moi aussi travailler énormément et être en contact avec les personnes les plus ressources dans toute la Corse que je connaisse pour pouvoir maintenir toujours cette transmission. Voilà, c'est une passion. Je pense que pour pouvoir faire ces stages et pour pouvoir transmettre, il faut avoir cette passion. Donc, on va vous présenter, on va partager avec vous notre travail. C'est un travail de stage, je vous précise, c'est pas un concert, il n'y a pas de star ici. Donc, on a la fatigue, on a les voix fatiguées parce qu'on a fait 6 heures facilement de chant par jour. Ceux qui connaissent l'histoire savent comment ça se passe, hein, il y en a ici parmi vous. Mais c'est le moment de la restitution, c'est toujours très particulier parce que, voilà, là c'est, on se dit merci, on se dit en même temps au revoir. Et chacun va repartir avec ce qu'il a pu prendre et ce qu'il a enrichi. Alors on va varier la présentation, le répertoire avec du sacré, bien sûr, ceci est évident, et du profane. Vous ne m'entendez pas? Ah, parce que Olivier Marie me demande de parler dans le micro. Donc, on va commencer par trois chants profanes, trois chants sacrés. Un premier qui est un chant tiré des manuscrits franciscains qui avait été enregistré ici à Pigne avec Marcel Pérez, donc avec le groupe Ottawa et le groupe de Jacques Miguel. De l'état des votes. Ensuite, nous vous présenterons l'annus Domini Cappella, parce que je ne sais pas si je m'adresse forcément à des personnes qui connaissent la polyphonie corse. Il y a une particularité ici en Corse, c'est que dans chaque pierre, il y a un verso, il y a une façon de chanter, et chaque pierre, ce ne sont pas des régions, ce sont des. Comment dire ça, mon père? Je ne sais pas. C'est difficile de trouver un équivalent en français à pierre. Micro-région, mais bon, c'est pas tout à fait micro-région, mais c'est un peu ça. À sa messe, à sa propre messe. Il y a des villages où il n'y a pas de messe particulière, où il n'y a pas une tradition polyphonique. Et puis, donc, ici à Corbera, il y a une tradition, il y a tout un patrimoine polyphonique. C'est surtout sur les chants de la passion que personnellement, je le reprends en stage. Et donc, là, ça s'agira de la l'annus Domini Cappella. Le petit Kyrie de Servan, qui avait été transmis par le Fucci à Jacques Michaeli, qui l'avait transmis à d'autres stagiaires. Voilà. On vous présentera la suite du programme au fur et à mesure. Donc, on va commencer par l'état des votes. Alors, il y a une carte.
caractéristique aussi en polyphonie corse, que ce soit du sacré ou du profane, c'est qu'on ne se présente pas face au public directement, on se rapproche pour faire le son. Le son, il est ici. Le principe, c'est de vraiment trouver ce son et d'être en harmonie pour faire monter les harmoniques. Voilà. Ça, c'est un gros travail qui se fait avec le temps. Je vous donne la main. Mais,
soutient dans le son. Et on se met à rire à certains moments parce que dans le principe de la polyphonie corse, c'est la seconde, la voix qui mène le chant, la basse qui soutient pour les harmoniques, la terce qui vient ornementer et éclairer donc, pour créer d'autres harmoniques. Et on est tous, on doit suivre ce que fait la seconde. Quand la seconde décide que le chant finit, que l'accord est fait, on arrête. Seulement qu'à un moment donné, une seconde qui n'arrête jamais de chanter, on va tous étouffer. Donc la basse essaye de faire comprendre à la seconde, je n'ai plus d'air, il faudrait que tu arrêtes. Voilà pourquoi on a quand même. Donc là, on passe à une partie profane. C'est une patine. Alors, je m'excuse si c'est un peu pédagogique pour ceux qui connaissent déjà. La patine, là, c'est vraiment une caractéristique du chant corse. Patine, ça veut dire la paix. Ça se chante à deux voix depuis la nuit des temps. Et avec la voix de seconde, toujours, qui mène, et la basse, qui vient faire le disone, qui vient faire l'harmonique. Et dans la patine, il y a cinq intervalles. Donc, il y a en bas à Pigne, un monsieur qui s'appelle Marco Coviva, qui avait mis en place tout un système d'apprentissage de la padielle à partir de ce qu'il appelle la mnémophonie. C'est-à-dire qu'on a ces cinq intervalles, oui, quoi, tacito, qui permettent de comprendre et d'entrer dans un chant oustral, dans un chant corse, si on respecte ces, cinq intervalles. Donc là, on va vous interpréter Fiore, qui est une padielle traditionnelle. Alors, en général, les padielles, elles racontent souvent des histoires d'amour assez malheureuses. Parce que les chants du quotidien, ça sera davantage dans le lamento, ou dans les rotini par rapport aux femmes qui chantent, qui pleurent la mort des personnes qui partent. On a le sacré. Mais la patine, là, souvent, bon, c'est le quotidien des gens, mais c'est en même temps, souvent, donc, un chant d'amour. Et tant qu'il soupire et qu'il m'aime, je t'envoie tant de soupirs, j'attends que tu me fasses des retours à mes soupirs. C'est un peu une traduction littérale. Hein. J'attends et puis je t'espère, ma douce colombe. Il attend. Parce qu'on continue à la chanter. Donc, allez. Tandis au spirito, ma
Versu Balanino. C'est une pâtière très particulière qui a été écrite ici à Pigne aussi par Nando Coelho, ça j'en suis sûre. Après, je ne sais pas s'il y avait Marguerite à l'époque. Elle est ici. Alors, contrairement aux pâtières qui sont très ornementées par la terre, celle-ci, elle est très ce qu'on appelle stincée. Elle touche à l'horizon. Il y a toujours de façon, dans les pâtières comme dans les sacrés, une horizontalité et une verticalité indispensables pour trouver cette signature vraiment corse, donc au niveau des voix et dans les chants. On est au service des chants. Alors ne vous rapprochez-vous parce que là, moi, je vais chanter seul, sinon. Ça serait dommage. Le mérite.
invulnérable. Alors ici aussi, alors ici c'est une histoire de séduction. Et là, Minka, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ah. c'est une histoire de séduction qui finit par une métaphore amoureuse. On va rester très, très discret. On reste bête. Je vais vous mettre une lunette. Alors là, on va s'accrocher à la lunette. Prends ta place. Prends ta place, il n'y a pas de problème. Je suis cloué. Je pense que vous vous rendez compte que c'est très physique la poésie de Corse.
on ne chante pas du bout des lèvres. Donc c'est vrai que ça mobilise énormément d'énergie pour arriver à être à la fois juste, pour arriver à ne pas crier, être dans le son, être dans l'écoute. Donc voilà, ça a été tout le travail de cette semaine. Et moi je dis bravo à tous les stagiaires pour avoir quand même fait un répertoire que la plupart ne connaissaient pas et qui est varié et costaud. Donc on repasse à une partie sacrée. Alors ce chant n'est pas dans la liturgie, il s'appelle Kununtzisa. Et c'est un chant qui a été écrit par Malcolm Botwell dans le spectacle de Tawania, je ne me rappelle plus de quelle année, qui s'appelait La Peste, et qui raconte en fait, qui dit la misère de l'homme, prends pitié de moi Seigneur, en fait, hein, c'est où est ma place, qu'est-ce que je suis. Dans le chant maintenant, on va commencer. Mais voilà, l'esprit du chant, c'est celui-ci. So
Elle me semble à David. Qu'est-ce qu'il y a? Elle me semble à David, qui a été aussi créée à Pignat et qui avait été chantée aussi par Baptiste Coivin dans une émission, le psaume à David. Là, on a appris, comme le faisait Jackie Miguel. Alors, je parle de Jackie Miguel, mais je ne sais pas si tout le monde sait qui est Jackie Miguel, qui était Jackie Miguel. Les frères m'en sont témoins, les anciens stagiaires m'en sont témoins. Une très grande dame, pour moi, la plus grande dame du chant corse, qui a permis aux femmes d'entrer dans la polyphonie corse, de chanter la polyphonie corse, la patiella, comme le chant sacré, et qui a transmis, qui m'a transmis pendant 25 ans cette technique qui fait que parfois on me dit « mais tu chantes comme un homme ». Non, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais c'est un travail qui permet justement de faire des rencontres dans la mixité, justement dans les stages, c'est quelque chose à quoi je tiens beaucoup. Après, s'il y a plus de femmes qui s'engagent dans la polyphonie corse, c'est tant mieux. C'est le but. Parce que c'est un patrimoine qui nous appartient aussi. Chante la polyphonie corse depuis 6 ou 7 ans, 8
temps avec des stages vraiment intensifs. Il est là tous les stages et il y a une passion extraordinaire, mais il est un talent. Alors, c'est pas le mais, il est maladroit. Je ne veux pas te dire mais. Je dis mais. En fait, il est un talent et il s'approprie, comme tous les gens qui vont s'approprier d'autres cultures, c'est une manière d'être, de découvrir l'âme de Luther. Et là, je veux lui rendre hommage parce que lui et puis d'autres, ils ne sont pas là ce soir, donc ça sera pour une prochaine fois. Et voilà, je voulais le remercier parce qu'il le mérite. Oh,
Janelle, qui est le vers le plus antique qui est entendu en Corse dans ce chant. Puisque la version qu'on chante habituellement, c'est une version qui date des années 70. Celui-ci est très 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 ancien et donc nous a été transmis par la confrérie de Pianel, Pierre Léasser et par Jean-Charles Adam. Alors, j'en seconde avec moi. Les terres s'arrêtent en face de la basse. Face à face, approchez-vous. Là, c'est pas taille à manger. Nous demandons plus, c'était super.
sourire. Ça a communié, c'est ça l'essentiel. On a communié avec nos parents.